spécial remerciement à Gloriana Joseph et Saira. Les chorégrapheuses et les filles, et bien jury, pareil, parlez hier, parlez, et bien les jurys, la jury pour moi, quelques minutes, il n'y a plus de vote, la finaliste, la première runner-up, le second runner-up tonight, et bien un grand bravo à toutes les filles. Le président, Aval, the winner tonight. Est-ce que tu peux? Donc après délibération, les 5 sélectionnés pour la finale de Miss URM des Moulins sont. Donc la première, mademoiselle Émilie Désirée. Sélectionnée mademoiselle Valcha Palais. Quatrième sélectionnée mademoiselle Pallavi Virin. Et finalement mademoiselle Laetitia. The concept of gender equality has encouraged sexist behavior. How far do you agree? Well, first of all, I would like to greet the members of the jury. Hello, everyone. I am Pallavi Virin. I am 19 years old. I am actually doing agri-science and technology. I'm in my first year. So coming back to the question whether gender equality has encouraged sexism, I agree partly with this because I think that gender equality means sex equality. So some people who didn't agree with that, they will rebel with this. So I think that they will tend to discourage women where women will want to like boost up their level, encourage like to try some new work. So I think that gender equality has an
français dans la deuxième édition. En français, si vous voulez. Okay. Donc, selon vous, les dégâts causés à l'environnement sont-ils réversibles? Bonjour, Yoann. Bonjour, chers membres du jury. Donc, pour en revenir à votre question, je dirais que en entrant dans un système capitaliste et avec l'industrialisation, nous avons quelque peu négligé notre environnement. Et si nous voulons réparer les dégâts que nous avons causés, il est temps d'agir maintenant. Car il ne faut pas oublier que cette année-ci, nous avons dépassé plus de la moitié de nos ressources naturelles. Deux fois, c'est ok, je continue avec la mission ou je change. La même question, le concept de l'égalité des genres a encouragé les comportements sexistes. À quel point est-ce que vous êtes d'accord? Alors, bonsoir, UF. Donc, je me présente, je m'appelle Emilia Albert et j'ai 21 ans. Donc, je suis en troisième année à l'Université de Maurice. Donc, pour répondre à votre question, indéniablement, il y a eu un changement monumental concernant l'émancipation de la femme et l'égalité des genres. Aujourd'hui, les femmes ont acquis plus de statut. Elles sont devenues plus indépendantes. Elles se sont révolutionnées et elles sont fières maintenant d'être des femmes aujourd'hui. Parce que si on compare l'époque, par exemple, de Jeanne d'Arc, donc à l'époque, Jeanne d'Arc était une chef de guerre, mais tout le monde était contre elle parce que c'était une femme. Mais aujourd'hui, heureusement, on voit que les femmes ont intégré l'armée, donc par conséquent, un changement radical des mentalités des gens et des hommes qui ont progressivement accepté les femmes en tant que telles. Et pour finir, moi je pense, pour mieux favoriser l'égalité des genres et éradiquer le machisme ou sexisme, les femmes et les hommes, les deux, doivent avoir un respect mutuel pour l'un et l'autre. So, our laws are decreed to maintain the security of the Mauritian population. Respected members of the jury and dear audience, hello. I am Marsha Palat, 20 years old, LLB student, year one. I believe that law is there to protect people. The main aim of law is there to protect not only people, that is their security, but also their rights. We have noted that our Prime Minister has recently implemented the system of camera surveillance, has also deployed more policemen in different areas, as well as more training to those policemen. So yes, laws has been there to provide security to people. Point out that unfortunately
Unfortunately, there is abuse of power, corruption, and other frauds and embezzlement of money and so on, which also affect our security, violence, and other crimes. This is against the law. So partly, yes, the law is there to provide for our security, but there is also room for improvement. Thank you. Si vous étiez Dieu pour un jour, quels sont les changements que vous souhaiteriez apporter au monde? Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Dipara Sarai. Je suis à l'Université Maurice en deuxième année pour le cours de BS Management. Ben, pour répondre à vos questions, c'est si j'étais Dieu, j'aurais changé, peut-être essayer de changer la mentalité des gens. Ce que je veux dire par cela, c'est moi ce qui m'agace vraiment, c'est en rue qu'on moche, la façon dont les gens nous parlent, nous regardent, ben ça joue sur notre psychologie quelque part. Il y a les jeunes filles qui ne peuvent pas marcher seules en rue parce qu'elles sont quelque part traumatisées. Ben, pourquoi pas changer la mentalité des gens? Parce que tout le monde a des sœurs, la maman, on veut savoir respecter les femmes. Et aussi essayer de faire l'égalité côté finance. Pourquoi il y a certaines personnes qui sont super riches et d'autres qui sont super pauvres? Ça devait être égal partout, comme ça le monde aurait été mieux. Miss Amitié. Alors, Miss Amitié 2013, c'est mademoiselle Chris Magnon. Et bien, vous demandez à Ouz et Sylvain sur le podium. Ouz et Sylvain. Thank you.
là. Hein? Ça va, Lévi? Stress, stress, les gars, c'est parti pour vous, là. The first runner-up. So the first runner-up of Miss University of Mauritius 2013 is Miss Varsha Park. Gloriana, Amber et Marion sur le podium. University of Mauritius, je suis désolé, en 2013. Alors, elle est très belle, elle est toujours souriante. She will give you a fever in the summer. She will make all the boys fail their exams. Elle est désirée. Et elle s'appelle mademoiselle Emily Marie. Thank you.
second runner-up, Laetitia René. The first runner-up, Varsha Poulet. Zing, tout le monde peut nous souvenir la grande camarade. Exécutif, l'équipe d'exécutif de Race Club on the podium tonight. Allez, toute l'équipe, même les filles, les participantes, une photo avec vous là, une photo avec toi, tout le monde. Toujours le costé. Mais tu veux nous souvenir toute l'équipe de travail. Audrey, Miss Lorraine 2012.